Bienvenue sur la chaîne YouTube de Geek MPS. Je vous rappelle qu'avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog. Donc tout se passe sur le blog. Vous avez évidemment des coupons, réductions et plein de choses intéressantes sur ce blog. Je vous conseille d'y aller. Les liens, c'est dans la description. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? On vous présente un drone Parrot et c'est le Bebop 2 Power. Pourquoi Power? Parce qu'il est fourni avec deux batteries qui assurent une autonomie de 30 minutes. Tant qu'on est dans les textes, le drone en lui-même pèse 530 grammes. Vous pouvez l'envoyer à 2 km de distance à une hauteur maximum de 150 mètres. Ça, c'est la législation française qui autorise. Il est doté de tout un tas de capteurs, dont le GPS, ce qui permet de le mettre en mode autonome. Et le drone, il est quand même assez imposant. Voilà, je vous le compare par rapport à mon smartphone. Et il est relativement bien conçu. Donc, à l'avant, une petite caméra. Au-dessus, la batterie. Les hélices, je vous en fais grâce. Il est monté sur ressort. Je ne sais pas si on voit bien. La carte mère et ça est là. Derrière, l'interrupteur on-off. Une prise USB. La batterie se détache facilement, sauf quand je fais les démos, avec un connecteur propriétaire. Il se destine d'abord à un monde amateur assez exigeant. Ce qu'on lui reproche, c'est son capteur, qui n'est pas le meilleur du monde et qui n'est pas non plus le plus pourri. Donc, moi, j'ai été très satisfait de ce drone. Pourquoi Power? Parce qu'il a deux batteries d'une durée de 30 minutes de vol. Ça dure très longtemps, surtout lorsqu'il fait froid. Il arrive comment? Il arrive dans cette petite boîte. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette petite boîte? On trouve un manuel de démarrage rapide, un câble pour charger les batteries, la deuxième batterie, le chargeur qui va bien, un petit cache pour protéger la caméra, des lunettes FPV, un petit socle pour la radiocommande. La radiocommande, comme vous pouvez le voir, elle est assez imposante.
J'espère que ces démonstrations vous ont plu. Donc moi, ma conclusion, ce drone, je me suis énormément amusé avec le mode sport. C'est génialissime. On peut vraiment, vraiment s'amuser. Moi, c'est juste le froid parce qu'il faisait 2 degrés. Donc, il fonctionne bien à 2 degrés, il n'y a pas de souci. On a eu un peu froid aux doigts. Mais franchement, ce drone, il est génial. On fait ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'a priori, mais non, il fonctionne très, très bien. Alors oui, il n'y a pas de gestion d'obstacles. Non, il n'aime pas la pluie, mais c'est un peu tous les drones qui n'aiment pas ça, ils préfèrent le soleil. Mais il s'est très bien comporté au vent. On a eu des vents jusqu'à 40 km/h, peut-être plus. Et le drone, bon, il a bougé, mais il est plutôt resté en place. La stabilisation vidéo, qui n'est pas matérielle, fonctionne très bien. Et vous l'avez vu sur les vidéos. Donc moi, ce drone, oui, c'est un super drone. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Il vaut son prix. Et voilà, moi, c'est un drone de loisir. On peut faire en plus des vidéos franchement correctes pour le monde amateur. Pour les développeurs, il y a tout le SDK, donc là c'est un peu technique, mais donc on peut créer ses propres applications sans trop de problèmes. L'application Android, eh bien elle est très réactive, on peut réellement piloter le drone. Cela dit, je vous conseille toujours la radiocommande pour s'amuser, pour l'envoyer à 50 km/h, la radiocommande c'est quand même vachement mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, une notification. N'hésitez pas à poser des questions, je vous rappelle que c'est le service de presse qui m'a prêté ce drone, donc je ne l'aurai plus.